Depuis le début de la semaine, Classe Égale à HRL Coé a la chance de se trouver sous le soleil de Punta Cana. En République dominicaine. Une destination paradisiaque dont profitent également les deux enfants de l'animateur né de son premier mariage avec Virginie. Ivana, 18 ans, et Valmont, 21 ans. On savait également que sa nouvelle compagne Nathalie D'Artois a pris part à ses vacances. Cette jolie mannequin avec qui il a croisé sur place un célèbre acteur. Ce vendredi 6 août 2021. Les fans de Coé ont cette fois constaté que les enfants de sa chérie étaient également du voyage. En effet, sur Instagram, l'homme de télé et de radio âgé de 49 ans a partagé pour la première fois une photo de sa nouvelle grande famille recomposée. C'est lors d'une soirée blanche organisée dans leur club Med que l'image a été captée et sur laquelle apparaissent donc Sacha et Victoire. Le fils et la fille de Nathalie D'Artois. Ma magnifique famille, a légendé Sébastien Coé de son vrai nom, bien heureux. En craquant pour Nathalie D'Artois, Coé a donc accueilli dans sa vie de nouveaux enfants. Ma chérie avec laquelle je suis a aussi deux enfants, elle les a aussi très bien éduqués. Avec des valeurs, ils ont 13 et 14 ans, ils sont très intelligents. J'aime bien le rôle de beau-père, c'est très marrant ce rôle, c'est le rôle de père mais avec une petite pression en moins. Confiait-il dans le podcast Parents d'abord de télé loisirs. Lors de cet entretien, l'animateur avait par ailleurs évoqué la rencontre entre leurs deux familles. Laquelle s'était faite sans aucun problème. À la maison, ça se passe très bien entre les quatre enfants. La greffe a très bien pris car tout le monde a été cool, en tout cas. Quand vous devez reconstituer une famille avec deux personnes qui s'aiment, ça n'est que de la rigolade.